bonne humeur. C'est parce que Miggs va enfin revenir de son voyage. Il était à Vallestrea et j'ai entendu dire qu'il nous réserve une surprise. Oh, je déteste les surprises. Surprise! Je confirme. Donia Paloma, qu'est-ce qui vous amène de si bonne heure? Eh bien, en tant que maîtresse de cérémonie au concours de pâtisserie, il est de mon devoir de m'assurer que rien ne manque pour notre concours, même si Lady Yolanda gagnera très probablement. Ah, je n'en suis pas si sûre. Il y a un nouveau chef pâtissier qui pourrait changer la donne cette année. Et pourrais-je vous demander qui est ce chef? Le seul et unique Armando. Armando? Vous avez appelé? Vous faites de la pâtisserie? Oh oui! Mon abuela Josefina m'a appris tout ce qu'elle savait. C'est pour elle que je participe à la compétition. Je veux que mon abuelita soit fière de moi. Oh, comme c'est mignon! Oh, je me souviens des moments passés avec elle à préparer des gâteaux pour les enfants de notre village. Et si les enfants de votre village étaient les juges de notre concours, vous perdriez quand même face à Lady Yolanda. Personne ne parle de cette façon à Armando à part moi. J'espère que vous avez encore de l'appétit, Donia, parce que je vous ferai ravaler votre discours lorsqu'Armando aura gagné le concours de pâtisserie. Oh, Esteban. Vous pouvez rire tant que vous voulez, Donia Paloma, mais vous rirez moins quand Armando sera vainqueur. C'est incroyable, c'est une vraie œuvre d'art, Armando. Eh bien, merci, chancelier. Mais je ne suis pas sûre de moi en ce qui concerne le glaçage. Ah, je suis sûre qu'il est délicieux.